Chers amis téléspectateurs, je dis c'est encore une fois un plaisir pour nous-mêmes pour nous capable de venir porter un message de la parole de Dieu pour surtout une étude plutôt que un message. Je dis nous parle pas alors de un apôtre et nous parle faire toute une série d'études sur les apôtres et je dis nous parle rester sur l'apôtre Jean. Jean son apôtre, il a toujours dit que l'apôtre que Jésus aimait. Nous parlons un petit peu de Paul. Paul pas un grand, pas Paul et Jean, l'apôtre Jean pas une grande histoire à la Cali, même avec l'apôtre Paul qui écrit plusieurs livres, même avec Simon aussi qui était fait en pile et travail avec Jésus-Christ. Mais Jean lui-même lit écrit une série de livres et en plus livre qui est plus important que Jean écrit c'est l'Apocalypse que côté tout le monde et qui a fait études bibliques eschatologiques ou pas qu'à passer sur étude de l'Apocalypse. Nous-mêmes, dans plusieurs émissions, nous parlons déjà d'étude de l'Apocalypse sans que nous arrêter sur les détails, bien entendu. Et nous gagnons pour nous retenir encore, pour ne pas jamais étudier l'Apocalypse. Nous gagnons également pour nous étudier le livre de Daniel qui a un rapport avec la fin des temps. Et puis nous gagnons pour nous étudier aussi d'autres livres aussi qui parlaient de la période de la fin des temps pour nous-mêmes. Je dis à l'apprécier sur l'apôtre Jean. Il y a 12 apôtres. Et Jésus-Christ est choisi personnellement lorsqu'il était arrivé sur terre. Mais il était choisi également par 12 disciples. Et selon l'Église catholique, il y a même des évêques. Mais bon, ce n'est pas ça que nous venons parler aujourd'hui. D'abord, non, tous les 12 apôtres de Jésus-Christ. Je cite différemment selon les évangiles. Et il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais les 3 premiers évangiles que vous lisez, les évangiles synoptiques, sauf l'évangile de Jean, qu'il a retiré comme l'évangile, et on a part. Mais les 3 premiers évangiles, vous lisez, les évangiles synoptiques. Et nom des 12 apôtres, c'est l'apôtre Pierre, dit Simon-Pierre. On connaît bien l'histoire de Simon, on ne va pas prêter ce livre. C'est le premier apôtre que Jésus-Christ t'a choisi. Et puis, après, il vient balle le nom de Pierre. C'est peut-être ça, il y a lié nom Simon et avec Simon-Pierre. Il y aurait également Simon le Zélote. Et puis, nous avons André, frère de Pierre. Et puis, nous avons Jacques, le majeur. Il y a toujours baptisé sur le nom Sao, selon une tradition hébraïque, hébreu, juif. Et c'est parce qu'il y a toujours, soit côté ressorti, ou bien petite qui est sur eux. Et puis, parce que nous, c'était très commun du temps de Jésus-Christ, du temps que Jésus-Christ a vécu, dans la tradition juive. Et, par exemple, Jacques, ou des gens qui ont joué côté, il y aurait plusieurs mondes Jacques. Même Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ, c'est grand pile l'autre monde qui était Jésus-Christ, du temps de Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même. Jésus-Christ est un petit nom aussi, Jésus-Christ fils de l'homme, Jésus-Christ fils de Joseph. Il y a Jésus-Christ plusieurs noms pour être capable de distinguer Jésus-Christ. Et puis nous avons Jean, frère de Jacques, et fils de Zébédée. Donc Zébédée lui-même, il y a deux petites. Et tous les deux, monsieur Sao, Jean et Jacques, ils ont toujours marché ensemble. On n'a pas jamais séparé. Et nous voyons bon, l'histoire de Jean et de Jacques également, quand ils ont posé Jésus-Christ question, ils ont demandé lui, est-ce que nous allons amener dans le royaume moins à droite ou même à gauche, et Jésus-Christ parle de demander ou parle de dire que faut y avoir la coupe des gens, c'est-à-dire qu'il faut passer par une série de calamités avant que, par exemple, ils héritent le royaume des cieux. Nous continuons pour nous dire qu'après Jacques et Jean, nous avons Philippe et puis nous avons Barthélemy. Et non, ça, il n'y a pas tellement cité la Bible parce qu'il n'y a pas tellement. Et monsieur, je crois que c'est des disciples, il y a des apôtres qui ont des canaux de travail pour Jésus-Christ, respecter ça, Jésus-Christ est fait, parce que, bon, histoire pour chaque. Peut-être qu'il n'y a pas écrit des livres qui fait qu'il n'y a pas parlé beaucoup plus dans la Bible, mais monsieur, ça, il y a un travail important qui a été fait également. C'est un Thomas, donc on est Thomas, les mêmes histoires de Thomas, c'est les mêmes qui battent des couets que. Et Jésus-Christ est ressuscité, il y a un mac de trou dans Mali. Et puis nous avons Matthieu, et puis nous avons Jacques le mineur, fils d'Alphée. C'est, on change deux Jacques, et nous avons Jacques le majeur,
C'est le même qui peut mettre. Dans toutes 12 disciples Jésus-Christ, il y a deux Jacques là-dedans. Jacques le majeur et Jacques le mineur. Jacques le mineur est que le fils d'Alphée et Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Et puis nous avons Jude, appelé aussi Thaddée. Nous connaissons le livre de Jude juste à la fin, nous l'écrit le livre. Et puis Simon le Zélote. Nous avons deux Simon. Il y a Simon Pierre et puis Simon le Zélote. Donc nous déduisons que Yobayoti sur nos sahors. Ça veut dire que c'est la zone qu'on est ressorti à, ou bien travail que des grandes fées, ou bien petite intel que tu es. Et puis, nous allons rester un petit peu, je dis là, et sur le disciple de Jean, le Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques, et puis le disciple que Jésus-Christ aimait. Donc, Jean lui-même, il fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Hein. Et donc, monsieur écrit presque 5 livres. L'évangile de Jean que nous tous connaissons, et puis nous gagnons premier épître de Jean, deuxième épître de Jean et troisième épître de Jean, et puis nous gagnons également le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ, par un songe, lit et baille l'apôtre Jean pour lui dire que il va faire ouest ça qui a passé et ça qui est passé, ça pour arriver et puis ça qui est pour le passer dans l'avenir. Donc et bon, il y a des discussions qui font que vous connaissez qui est-ce qui écrit, on sait le livre, qui est-ce qui n'a pas écrit, mais en attendant, on connaît que Jean lui-même lui écrit les 3 épîtres, écrit l'évangile de Jean, ça fait 4, et puis l'Apocalypse, ça fait 5 livres que Jean lui-même lui écrit. Et Jean, il fait connaître que monsieur participait à plusieurs miracles de Jésus-Christ, parce qu'il était toujours à côté de Jésus-Christ, il était toujours participé à des miracle que Jésus-Christ a fait, et il était toujours bon, tout, c'était vraiment Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ était vraiment aussi, c'est pour ça que nous parlions, disons, que l'apôtre que Jésus aimait. Je ne sais pas qui ça, mais Jean lui-même, son apôtre, et que Jésus-Christ aimait plus que les autres et apôtres, peut-être des bons amours très fidèles envers Jean. Donc, chaque monsieur Sao et disciple Sao Teguin et Sanurado métier par bon, dans le temps, pas de gain informaticien, pas de gain ingénieur, pas de gain. Ouais, mais l'ingénieur, c'est quand on fait un seul travail pour être capable de vivre. Donc on a que Jésus-Christ lui-même, il s'est levé avec papa. Le papa, c'était, et béni ce que tu es. Et puis, Pierre lui-même, c'était. Pierre, c'était pêcheur. Mais ce n'est pas les mêmes seulement. Jean et Jacques, les deux frères, Jean et Jacques, c'est pécheurs qui ont été également. Jésus-Christ a fait abandonner les filets pour être capable de venir, pêcher, venir des pécheurs d'hommes comme l'apôtre Pierre. Et puis, il y a eu le monsieur le fils du tonnerre aussi, parce que monsieur était très vivifiant, très vigilant. Donc c'est peut-être ça qu'il y a eu quand même le nom. Sinon, le fils du tonnerre. Et puis, il a accompagné Jésus-Christ dans Matthieu 9, verset 2, et nous venons ça aussi dans Luc 9, verset 28, sur la montagne de la Transfiguration. Nous changeons l'histoire ça assez bien. Donc, sur la montagne de la Transfiguration, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques ont accompagné Jésus-Christ. Nous changeons qui ça a dit. Comme nous connaissons l'histoire bien, l'histoire de la montagne de la Transfiguration, côté Jésus-Christ prend 3 disciples et il était accompagné. Il a toujours marché avec disciples Sao, l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean et son frère Jacques, et fils de Zébédée, les deux fils de Zébédée. Et Pierre lui-même, lorsqu'il était arrivé, il s'est senti tellement bien sur la montagne de la Transfiguration. Et Pierre dit qu'il a dressé 3 tentes, une pour Jésus-Christ, une pour Moïse et l'autre là pour Élie. Et puis, quand il y a là, à l'autre moment, une grande lumière qui est entrée, qui est transfigurée sur Jésus-Christ. Et puis, quand il y a là, les disciples ont commencé à poser la question. Et monsieur était Pierre, puis Jésus-Christ a dit, il n'y a pas besoin de paix. Et puis, quand il y a là, il a posé la question, qu'il a dit après tout, etc., etc. Donc, on a une histoire parfaitement bien que nous joignons dans Matthieu
chapitre 9, verset 2, et puis nous avons venir également dans Luc, chapitre 9, verset 28. Et il y a un autre miracle encore qui était accompagné de Jésus-Christ, on a parlé de Jean, et fils de Zébédée, et toujours avec, lorsque j'étais à la caille Simon-Pierre, nous j'étais dans Marc, chapitre 1, verset 29, côté l'Éternel guéri et maman Simon-Pierre qui était malade, et puis il était aussi guéri la fille de Jaïr, chef de la synagogue, qui était également malade, vous voyez, que M. Sao, malgré que il était chef de synagogue, il a prêché l'évangile, mais il a aussi marqué de foi pour être capable d'accomplir un de miracle. Jésus-Christ a fait un miracle sans appeler. Et puis nous connaissons une autre histoire encore que Jean lui-même dit fait. Il songeait que Gémon qui tape des magiciens. Nous jouons ça dans Marc 9, verset 38. Magicien qui tape opéré des miracles au nom de Jésus-Christ. Et Jean lui-même lui a posé la question. Est-ce que qui vient nous faire, qui doit nous pour opérer des miracles au nom de Jésus-Christ? Et puis Jean lui-même était largué aux malédictions sur mon là. Jacques et Jean, fils de Zébédée, et puis maman a été remis en pile également, et maman a été poussée, monsieur, à poser Jésus-Christ question, et nous jouons ça dans Marc chapitre 10, verset 35 jusqu'à 45, jusqu'à ce que vous posé Jésus-Christ question, on te dit, et nous t'a aimé, et lorsque vous parlez dans Gouaou, Jésus-Christ nous t'a aimé, et moi-même à droite, et puis frère dans Jacques à gauche. Et Jésus-Christ est reprenu, il a dit ok, et nous capables, nous avons deux conditions pour être capables de faire, c'est boire la coupe avec moi, et puis baptiser du baptême que je dois être baptisé. Et puis Jésus-Christ a dit, mais et après qu'on y a, avec moi vraiment, mais ce n'est pas lui-même qui a décidé, seul le Père qui a pour décider qui est ce monde qui a accompagné moi. Ni même ça pas sous compte. Et puis l'autre disciple des cours, il est Jean, Jacques et Jean, parce que monsieur dit que Nagro n'a pas dû poser Jésus-Christ aux gens deux questions. Ça. Et puis Jean aussi, c'est là qui s'est toujours aimé poser Jésus-Christ des questions. C'est lui-même qui était dans Marc chapitre 13, verset 3, et sur le mont des Oliviers. Et puis. Je t'ai posé la question à Jésus-Christ et Jean, qu'il est, par exemple, Jésus-Christ après tout, quel sera le signe de l'avènement, etc. Parmi les livres que Jean a écrit, c'est l'évangile de Jean, il y a quand même deux histoires qui concernent Jean, que les pattes écrites, il n'y a pas sorti dans le livre de l'évangile de Jean. C'est la guérison de la fille de Jaïr, du prêtre de la synagogue, et puis également l'histoire du mont des Oliviers qui part retranscrit dans le livre là, bien qu'il soit sorti dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu et Marc Luc. Et c'est peut-être ça, ou bien d'autres, je dis, mais peut-être c'est pas Jean lui-même, parce qu'il y a un autre Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Mais bon, sauf que nous connaissons, selon les exégètes, nous connaissons que c'est Jean quand même qui a écrit le livre ça. Et après, qu'on y a là, dans les années 94, Jean lui-même, et c'est qu'il y a un roi romain qui était premier, je crois que c'était Flavius Titus, c'est sûrement ça que vous connaissez. Monsieur était en train de prêcher l'évangile, et puis qu'il y a là, comme c'est la répression des chrétiens, il était prend Jean, il a envoyé monsieur aller. Mais il y a eu un premier qui était victime de cette répression des Romains, et c'était Jacques lui-même, nous connaissons, Jacques. Lui-même, c'est qu'il a passé déjà, quand il sortait décapité Jacques, m'a fait une songe, mais après tout, on est. Et puis, Jean lui-même, il était exilé, monsieur, sur l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'est à côté de Rome que lié, et à côté de l'Italie, d'aujourd'hui. Et puis, l'île de Patmos, c'est son île grecque liée, son île, et vous savez, l'île de Patmos, son île de 34 km. Et. Pas grand, il y a à peine 2800 habitants là-dedans, mais très isolé parce que pas de grand pile monde. Et puis, M. Tena Freddy, et puis, c'est là encore que pendant que M. Santilli isolé, Jésus-Christ vini et les vins, et ben M. Sonchan, et puis, la dernière révélation de Jésus-Christ sur l'île de Patmos, c'est peut-être ça, le livre de l'Apocalypse ou bien le livre de la Révélation,
la révélation que Jésus-Christ bat nous pour connaître qui Jean le monde pour allier dans l'avenir, pour ne pas dire que nous ne pas connaître, parce que l'histoire ça a traîné, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs étudiants de la Bible à bat nous, et histoire sur de l'avenir du retour de Jésus-Christ, comment il parle, ouais, pareil. Donc, Jean lui-même, comme dans nos sortes, et une fois que M. était fini exilé, fini écrit le livre là, et puis, je crois que c'est grand l'autre roi même, que c'est Flavius Titus en 96, et puis grand l'autre roi qu'on y a qui vient permettre que M. retourne sur le continent, et puis qu'on y a là, M. continue à prêcher l'évangile, et M. fait encore des disciples jusqu'à ce que M. mourre, donc nous pas qu'à dans quelle façon, mais surtout par le bâtir, parce que tout M. Sao connaît exactement, et la Bible a révélé nous et comment l'apôtre Jean était fini, mais il fait connaître que M. qui était après que le défini un songe, une révélation de Jésus-Christ sur le bâtiment, il est retourné vivre encore avec ses disciples dans la Palestine, côté qu'il a continué et fait travailler, peut-être il veut mourir. Mais ça que nous, sur certain Jacques lui-même, son frère, et toujours fils de Zébédée, lui-même était mort en matière, peut-être Jean aussi était mort en matière, et puis il était enterré et là, payé. Donc voilà, c'est l'histoire de Jean, par exemple, un disciple qui fait finit bien, ils tous ont mort en matière, c'était la destinée des premiers chrétiens, des évangélistes, des apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Jean, et après nous gagnons pour entrer profondément dans le livre de Jean, pour nous parler exactement qui ça lui parle. Mais c'était, je veux dire, c'était pour nous parler un petit peu de la vie de Jean, comment il était vivre, qui métier lui, les relations avec Jésus-Christ, les miracles qu'il était accompagné Jésus-Christ, et Jean était fait un pile miracle aussi, une fois que et Jésus-Christ était fait monter au ciel après l'an 33, et puis Jean lui-même, avec la force spirituelle que Jean a gagnée, c'est qu'on accomplit des miracles aussi un petit peu partout, et à Jérusalem, dans la Palestine, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus-Christ est mandé pour être capable d'aller prêcher partout le monde et l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Mesdames et messieurs, c'est là que nous avons campé avec l'émission d'aujourd'hui là. Et puis, comme nous l'avons dit, nous avons promis tout, pour étudier d'autres vies, encore d'autres apôtres, d'autres disciples, et puis également entrer profondément dans chaque évangile, dans chaque livre qu'il a écrit. Donc, parcours très long et difficile. Donc, nous demandons pour capable rester avec nous sur un mail. Et genre de histoire, ça, vous voulez nous continuer pour vous intéresser, nous, un petit pouce bleu, et puis faire des commentaires sur l'histoire. S'il y a une question par rapport, nous sommes capables de poser nos questions. Et puis, il y a l'autre monde aussi capable d'intervenir. Montrez-nous qu'on est intéressé, que c'est de vrais étudiants de la Bible, que ça intéresse. Merci à tous et à la prochaine.